Bonjour. La dernière mandature du CNESERAF a été riche et les débats intenses. Je voudrais souligner trois points importants. Tout d'abord, sur le cursus vétérinaire, la refondation complète avec une nouvelle voie d'accès post-bac dans les écoles nationales vétérinaires jusqu'à la modification de la thèse vétérinaire. Le deuxième point, c'est sur les pôles régionaux d'enseignement supérieur et de recherche qui ont abouti à la création de l'IAVFF, ce que nous avons contesté depuis le départ et qui a d'ailleurs été transformé en simple convention de collaboration. Mais cela aboutit à la volonté d'intégration de nos établissements, ce que nous contestons car nous sommes attachés à l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur agricole. Enfin, pour remplir nos missions, nous avons besoin de moyens à la fois humains, ils ne sont pas en augmentation, mais également financiers, et ils sont en diminution, malgré l'augmentation du nombre des étudiants, ce qui met à mal certains cursus, notamment vétérinaires, avec de très probables difficultés d'accréditation de nos cursus vétérinaires au plan européen. Pourquoi voter pour la FSU ? Parce que la FSU défend le projet de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique dans le domaine de l'agriculture, l'alimentation, la santé et l'environnement. Former plus d'étudiants dans ces domaines est aujourd'hui une nécessité absolue pour faire face aux enjeux environnementaux et climatiques. Accompagner la transition agroécologique, cela veut dire former plus d'étudiants dans ces domaines, mais ça nécessite aussi d'avoir des moyens budgétaires et humains accrus pour pouvoir continuer à dispenser un enseignement de qualité au plus près du terrain et qui s'appuie sur une recherche solide. Nous sommes particulièrement vigilants pour le maintien d'enseignements de qualité dans nos écoles agronomiques et vétérinaires et pour la défense de nos conditions de travail. D'autre part, la révolution numérique tend vers le toujours plus, pour le meilleur et pour le pire. On doit veiller à ce que le numérique ne supprime pas les rapports humains et ne soit pas un prétexte pour augmenter le nombre d'étudiants dans nos écoles sans moyens supplémentaires. Comme on le voit sur différents sites, les universités tentent de phagocyter nos écoles et il est important de sauvegarder notre autonomie au mieux possible. Et dans les établissements fusionnés, il faut que la démocratie vive. Pourquoi la FSU ? Parce que nous sommes la principale organisation syndicale représentative de l'enseignement technique et supérieur au sein du ministère de l'Agriculture. Nous avons à cœur de représenter l'ensemble des personnels des établissements et faire entendre votre voix. N'oublions pas que nous sommes là pour les étudiants grâce à l'investissement de chacun. Nous travaillons en lien avec le CNESER et les autres instances du ministère de l'Agriculture et aussi avec les conseils d'administration de l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur. Alors, le 18, 19, 20 mai, je vote FSU.